Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, je vous présente un Citroën C5 Aircross dans une finition Shine suréquipée. 1500 bleu HDI, 130 chevaux, EAT8, donc avec la boîte automatique 8 rapports. Donc le moteur diesel, bien sûr, bleu HDI, 130 chevaux. Donc ce véhicule, donc dans une livrée blanc nacré avec le toit noir, possède donc le hayon électrique qui a le main libre également, hein, le système de coup de pied dans le véhicule. Donc un grand coffre avec donc trois sièges indépendants. Donc les trois sièges sont totalement séparés, coulissent puis se rabattent pour former un plancher plat. On retrouve sur ce véhicule la chose rare maintenant, une roue de secours galette. Veuillez m'excuser pour le bruit de la route. Voilà, je vais faire une petite revue de détails extérieurs rapidement avant qu'on rentre à l'intérieur du véhicule. Donc sur ce modèle-ci, les jantes 19 art diamantées, les vitres arrière surteintées, le pack look silver. Donc on a les inserts de pare-choc ainsi que les barres de toit avec le plat qui est de couleur alu. Les feux intégralement à LED, bien entendu, avec l'assistant feu de route, hein, veilleuse code phare. Ce véhicule est doté du pack Park Assist 360, donc caméra 360, radar de stationnement avant-arrière, ainsi que le Park Assist. Voilà, donc ce véhicule dans un parfait état, est vraiment très bien équipé, très bien configuré. Voilà, le toit Black Diamond, qui est vraiment très joli. Allons à l'intérieur. Donc à l'intérieur, l'accès, le démarrage sont main libre. Le siège conducteur est électrique, les rétroviseurs sont électriques et rabattables électriquement. Ce véhicule possède donc le Drive Assist Plus avec le Highway Driver Assist qui est ici, le maintien dans la voie, l'ouverture du coffre électrique et le pare-brise chauffant. Le Virtual Cockpit, enfin Digital Cockpit, e-cockpit, comme vous le souhaitez, donc les compteurs numériques sont dans la dotation de série de ce véhicule là, où on peut donc afficher plusieurs choses, hein, le personnel, le minimal, les cadrans, nos aides à la conduite par exemple. Je vais vous montrer là, en l'occurrence on avait le GPS. Cette fois-ci nous avons le maintien dans la voie et toutes nos aides à la conduite, notamment, vous voyez par exemple le régulateur de vitesse adaptatif où je peux choisir ma distance, loin, proche ou normale. La commande de feu est automatique. Le véhicule possède également le grip control qui est ici. Voilà, la boîte automatique 8 rapports avec les palettes de changement de rapport. Donc passage de rapport à droite, rétrogradage à gauche. L'écran tactile, donc le Connect NAV partagé entre Peugeot, Citroën et DS, avec les sièges avant chauffants. Voilà, que l'on peut désactiver ici. Donc on retrouve différentes choses, le menu musique, donc radio, streaming audio via le Bluetooth. On retrouve également le DAB, donc les radios numériques. Notre ventilation se règle également via le volet tactile. Ici vous avez donc la navigation, donc le GPS Connect NAV, tous les réglages de la voiture, donc vous voyez le Park Assist, commutation automatique des feux de route, l'aide visuelle au parking, donc c'est pour les caméras. Donc dès que l'on passe la marche arrière, hop, voilà notre caméra de recul, on a notre vision 360 sur la droite. Donc là c'est l'arrière puisque j'ai la marche arrière, si je passe la marche avant, j'ai ma vue avant, tout simplement. On retrouve le téléphone et puis donc il y a aussi l'Android Auto et l'Apple CarPlay que nous retrouvons ici. La boîte automatique possède trois modes de conduite, le mode standard, le mode sport ou le mode éco. Le bouton de démarrage est ici. La recharge par induction de votre smartphone ici. Donc un grand accoudoir, voilà, qui est réfrigéré, hein. Le véhicule, comme vous le voyez, est vraiment très très bien doté. La finition est vraiment très très belle. Comme toujours chez Citroën, un confort qui a fait sa réputation, notamment là sur un véhicule comme celui-ci, qui a les amortisseurs à butée hydraulique progressive, donc un super confort. Des sièges Advance Confort qui sont très moelleux, qui enveloppent bien, vraiment très bien. C'est le coudoir central est très très grand. Donc ça c'est appréciable. On a vraiment trois vraies places derrière, hein. C'est à noter quand même, hein.
Je pense, il me semble que c'est le seul SUV qui a ce système-là de trois sièges totalement indépendants, coulissants et rabattables. On a vraiment trois belles places qui peuvent nous permettre de mettre trois rehausseurs, trois sièges auto par exemple. Donc voilà pour ce véhicule. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre donc sur les présentations de Nico, vous abonner à notre chaîne. Un pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo. Vos commentaires sont bien entendu les bienvenus. Vous pouvez nous suivre également donc sur notre site internet www.automobile-villet.com, sur notre Facebook Automobile Bernard Villet. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.